Aujourd'hui, je vais faire une petite capsule vidéo. Comment c'est important de bien nettoyer les oreilles. De toute façon, c'est quelque chose que le cheval doit savoir, doit être bien. N'attendez pas, mettons, que le cheval ait des champignons puis que vous devez mettre un médicament. Fait qu'au début, je prends, moi, je prends des linges. Des lingettes de bébé qui ne sont pas parfumées. Elle doit être à l'aise avec juste le toucher d'oreille. Ça, c'est ce que j'ai fait avec Kenya. Super bien. Peut-être des fois qu'il y a des petites gales, c'est moins plaisant. Mais c'est super important. Tout ce qui est yeux, oreilles, bouche, attendez pas que le cheval ait besoin d'être traité. Fait qu'au début, là, je fais juste comme ça, le début, l'oreille. Après ça, je vais un petit peu creux avec mes doigts, mais je ne vais jamais là, dans le fond. On peut voir là, comment c'était sale. Là. Quand c'est venteux, là, puis à cet instant-ci, comment c'est poussiéreux. C'est super important que votre cheval soit à l'aise avec ce genre de manipulation-là. Et comme je te dis avant, c'est juste le toucher d'oreille, on renforce. Comme je te dis, je prends des lingettes là, qui ne sont pas parfumées. C'est des lingettes là, de bébé. Manipulation comme ça là, de base. Fait que j'ai fait les deux oreilles. Comme je te dis, ah oui, celle-là, ça va mieux que l'autre. Hein? Et on fait un petit massage. C'est comme Kenya, elle aime beaucoup ici se faire masser comme si c'est autour des oreilles. Fait qu'avant de mettre comme ça le linge dans les oreilles, je vais juste comme ça le masser, on peut voir. Là. Je pourrais même le faire en liberté, c'est parce que là, c'est tellement poussiéreux que j'ai installé mon trépied à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est attachée. Hein? Ouais, ça fait du bien, ça. Oh, ça fait du bien. Fait que c'est bon. Fait que c'était terminé pour la capsule d'aujourd'hui. Bye! Bonne journée!